Hey les gens, c'est Electro 59 et je suis très content de vous revoir car j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vais vous montrer comment avoir un clavier tête de mort ou d'autres thèmes. Donc pour cela, je vais vous présenter déjà ça et après on va voir ça. Donc comme vous voyez bien, je vais aller, je sais pas, une petite recherche sur YouTube. Donc bah ça, je me suis abonné à Troom Troom, ça c'est une bonne chaîne. Donc bah c'est une chaîne avec des blagues sur Halloween, tout dans le genre quoi. Donc Thème Maurice, c'est un super jeu de Call of aussi. Call of Duty Infinite Warfare. Donc là on va faire. Ça c'est la chaîne. Donc là attention, regardez bien mon clavier. Il est beau. Comme ça. Vous voyez bien. Que ça va super bien. Okay, c'est super beau. Je sais pas si vous voyez, mais quand il y a marqué, quand j'écris une lettre, et ben je sais pas, vous voyez, mais il y a une tête de mort qui s'affiche en plus avec des petites flammes. C'est trop stylé. Donc, désolé pour la pub. Donc, T-R-I-S-T-E-N, vous avez, c'est trop stylé. Donc, je vous l'affirme, c'est trop, trop, trop stylé. Donc les modes menus sur GTA 5, ça c'est mon truc, les modes menus, vous le savez. La plupart de mes potes, enfin ils sont pas abonnés, il n'a que un qui est abonné, c'est Ghost Killer du 123. Donc je vais vous mettre sa chaîne ici, donc Ghost. Donc comme vous voyez bien en haut, hop, Ghost Killer du 23, du 120, ouais, du 123. Donc Ghost Killer. Donc vous voyez bien qu'il fait que des lives. Il fait des lives sur Fortnite, sur Rainbow Six, sur Amnesia Collection. Ceux qui savent pas ce que c'est Amnesia Collection, c'est un jeu d'horreur qui est dans les jeux du mois. Sur la Play 4. Donc il fait aussi Call of Duty. Infinite Warfare. Il fait du GTA Online. Il fait du Assassin's Creed, ça je le savais pas. Du Assassin's Creed. Ah, en plus c'est Freedom, je l'ai déjà vu celui-là, il est trop stylé ce jeu-là. Donc c'est pour vous dire que Ghost Killer, c'est un beau YouTuber, enfin un bon. Donc maintenant, donc vous voyez bien que le clavier, etc. Donc maintenant on va passer au tuto. Donc pour cela, vous vous rendez au Play Store. Vous voyez bien que l'application là, elle est faite au Play Store. Donc vous allez sur le Play Store. Vous cliquez sur ça. Moi j'ai déjà marqué thème de tête de mort pour trouver le thème de mon clavier, mais je ne l'ai pas trouvé. Quand vous voyez, ah si, il est là. Donc, après vous pouvez le télécharger comme ça directement. Ou soit avec... Celle-là, Kiki Kika, je veux dire. Non, pas désinstallé, sinon j'aurais pu monter, merci. Donc, soit vous mettez thème tête de mort, soit vous descendez un petit peu et vous le trouverez. Non, il est là, vous voyez bien que c'est le bon. Vous voyez, voilà. Donc, vous voyez bien que sur une des images, il y a toutes sortes de claviers. Donc, feuilles de cannabis, hand spinner doré. Enfin, je vous montrer ça avec l'application, vu que je l'ai. Donc, soit vous marquez tête de mort, thème de tête de mort, et vous descendez, vous le trouverez ici. Ou soit vous marquez. Ah, ça m'énerve ça. Soit vous marquez Kika. Kika emo... Clavier Kika Emoji. Donc vous cliquez dessus, vous l'installez. Moi je l'ai déjà fait, donc je ne le fais pas. Donc moi je vais quitter. Hop. Comme ça, hop. On va aller dessus. Enfin ça c'est pas trop le truc. Ah voilà. Donc tout le monde le sait. Ah mais c'est quoi encore ça? Bon bref. Allez quitter. Ah voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a toutes sortes de claviers. Il est où mon thème? Vous voyez pas là? Vous faites thème et vous cherchez le thème que vous voulez. Attendez. Hop. Ah.
Donc, okay, bah, je vais moi cliquer sur ce thème-là pour rechercher un thème après. Attendez. Donc, bah, il y a plein de thèmes. Il y a loup. Il y a un loup bah, de nuit, comme ça. Un petit panda. Donc, bah, c'est vraiment trop stylé, bah, la couleur et tous les graphismes. Il y a une genre de boule violet comme ça, je sais pas exactement ce que c'est, j'ai déjà vu ça, mais je sais pas exactement ce que c'est. Mais en tout cas, le thème est très beau. Donc, il y a des cœurs, il y a tout. Il y a un petit chat, des boules de ballon avec du feu dessus. Il y a bah, toutes sortes. Moi, celui-là que j'aime bien, enfin, c'est celui-là que vous avez, que j'ai là. C'est la tête de mort bleue. Le hand spinner aussi, je l'aime bien. Je crois même que je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre. Je vais le changer parce que bah, je l'aime bien. En plus, c'est même pas les. C'est même pas pareil. Les touches sont. Bah, sont pareilles exactement, mais bon. Je sais pas où c'est, si vous avez vu. Le thème, il est pas pareil. Donc là, vous voyez bien que là, il y a encore la touche 123. Bah, je vais dire ça comme ça, la petite gomme avec la croix dessus. La flèche du bas pour sauter une ligne. La touche pour la majuscule. Et le petit navigateur tout en bas, je sais pas ce que c'est exactement. Le English, bah ça c'est l'espace, on le sait. Mais le hand spinner, il est pas pareil du tout. Regardez bien. Au lieu des touches, la petite gomme pour bah, enlever les lettres, c'est des hand spinners à la place. Donc bah, je vais le télécharger. Donc bah, je vais vous montrer avec vous comment je fais. Bah là, je vais enlever celui-là, du coup, vu que je peux enlever. Hop. Donc là, comme vous voyez, si je vais. Bon, on s'en fout. Allez. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Donc là, si je vois là, tu vois, si, et ben voilà, c'est mon ancien clavier. Enfin, c'est pas mon ancien, c'est grâce à l'application Kika. Donc ça, grave. Hop. Hop. Donc, hop. Fidget Hand Spinner. Donc vous allez dessus, vous attendez un tout petit peu. Bon là c'est une pub. Et voilà, vous faites la petite flèche comme ça, vous cliquez sur ça, hop, et vous faites activate theme. Bon ça on s'en fout de la pub. Hop, et voilà, votre thème est mis. Donc bah là comme vous voyez, et par contre je vais pas m'en sortir. Donc là, oh, majuscule. Hop. Donc bah c'est super cool, moi j'aime bien. Et vous, si vous aimez bien, tant mieux pour vous. Donc ben bah, on va se quitter là. C'était Electro 59. Abonnez-vous, lâchez un like, ça me fera extrêmement plaisir. Plaisir, excusez-moi. Donc ben bah, bonne soirée à tous, vu que moi je fais la vidéo le soir. Bah, donc ben. Bah, si vous regardez cette vidéo le soir, ben, bonne soirée à tous. Donc là, on va se quitter. Encore, abonnez-vous et merci d'être abonné. Si vous êtes abonné, ben, c'est super cool. Donc, ben, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!